Voilà. Qu'est-ce qu'il est? Ah, il est là, voilà. Il est... Ah, moi ah, oh, oh, c'est bien qu'il est dedans. C'est super. Et voilà. Thank you.
chers amis et amis de l'hôpital universitaire des enfants. Plus fort. Best vrienden par l'université Kinderziekenhuis Fabiola et Kretupan Hart. Welcome. Je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie d'être là aussi nombreux. L'hôpital des enfants. Euh, 450 infirmières, Georges me corrige, plus ou moins 150 médecins, 200, autant de paramédicaux, 900 personnes, globalement, qui ne se préoccupent que du bien-être de l'enfant malade, en difficulté. Et donc, vous comprenez que l'hôpital des enfants, pour fonctionner comme il fonctionne, et pour fonctionner encore mieux qu'il fonctionne, parce que c'est ça ce que visent les amis de l'hôpital des enfants, c'est qu'il fonctionne encore mieux, nous avons besoin de fées et d'enchanteurs. Et je suis très heureux de vous voir là, et j'ai le grand plaisir de vous dire que c'est vous, ce soir, les fées et les enchanteurs de l'hôpital, puisque c'est grâce à votre présence, c'est grâce à vos dons, c'est grâce à votre soutien que les amis de l'UD trouvent les moyens de faire ce qui est leur mission et que vous contribuez à la notoriété, que vous nous soutenez, etc. Donc j'ai l'honneur de vous annoncer que vous êtes tous ce soir et demain, je suppose aussi, les fées et les enchanteurs de l'hôpital des enfants. Maintenant, je dois vous avouez que vous n'êtes pas les seuls enchanteurs et les seules fées de l'hôpital des enfants. Il y en a un certain nombre d'autres, mais en particulier les docteurs Zinzin. Des enchanteurs, des fées. Hein, vous les voyez ici. Et figurez-vous que les docteurs Zinzin, ils fêtent cette année-ci leurs 25 ans. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de leur offrir cadeau d'anniversaire. Je vais d'abord demander à la maman de Raphaël de nous dire ce que les docteurs Zinzin ont représenté pour Raphaël et pour ses parents pendant les deux années que Raphaël a passées dans et autour de l'hôpital. Mon fils a eu un cancer quand il avait un petit peu moins de 9 ans. C'est un moment, excusez-moi, qui est évidemment toujours extrêmement difficile à traverser. Et je me souviens, dans les tout premiers jours de son hospitalisation, quand on ne savait pas très bien ce qui allait se passer, on ne savait pas encore quelle chimio, on ne connaissait pas le stade, c'était le moment le plus difficile parce que finalement, on était conscient qu'on allait devoir se battre, mais on ne pouvait pas encore mobiliser nos forces. Les docteurs Zinzin sont passés pour la première fois dans la chambre de mon fils. Et je me souviens, j'étais avec ma sœur, on était toutes les deux. Elle est médecin en plus, elle est hyper pessimiste. On était toutes les deux en train d'essayer de faire des jeux de société, des trucs. On avait conscience que notre rôle comme adulte était de changer les idées de cet enfant. On a vu débarquer les clowns et ils ont instantanément amené une légèreté, un souffle frais dans cette chambre qui était étouffante en plus en juillet 2013. C'était un été très chaud. Une joie et un dynamisme. Mon fils a éclaté de rire. Ma sœur a pleuré, elle est sortie. Et moi, j'ai vraiment compris à ce moment-là que c'était ça le chemin. Et je pourrais vous donner qu'un seul exemple qui vous montre à quel point l'absurde, alors qu'une chimio coule dans les veines de votre enfant, peut complètement transformer votre quotidien. J'étais avec le docteur Biscuit et Aglagla, je pense, et nous en sommes venus à mimer la scène où George Bush s'est touché avec un bretzel. Et franchement, je pense que c'est dommage que ça n'ait pas été filmé. Mais voilà, merci à vous les docteurs, vous êtes formidables. Et je suis désolée d'être un peu émue en le disant, mais vous êtes formidables. Tu te souviens
souviens quand on a commencé, hein, il y a 25 ans, on était juste à deux, et on allait à l'hôpital avec un poltrac, et on avait l'impression qu'on creusait un petit trou dans le sable qui était tout de suite rebouché pendant la semaine. Aujourd'hui, après 25 ans, vraiment, on en a des milliers de souvenirs et des milliers d'éclats de bonheur dans notre cœur d'avoir partagé tant de moments extraordinaires avec les enfants. Alors je voudrais commencer à dire merci aux enfants, je sais qu'il y en a qui sont là dans la salle. Merci aux parents, je sais aussi qu'il y en a beaucoup dans la salle. Merci aussi aux soignants, il y en a aussi plein ici dans la salle. Vous vous démenez sans compter pour prendre soin. On le voit chaque fois qu'on est à l'hôpital et on en est vraiment très touché avec toute votre humanité. Et pourtant, les conditions ne sont pas faciles. Merci aux clowns, les docteurs Zinzin. Merci. Merci aux clowns qui sont aussi là dans la salle, ceux qui ont fait l'histoire des docteurs Zinzin. Merci aux clowns qui travaillent dans d'autres hôpitaux ici en Belgique. Merci aux clowns qui travaillent aussi dans d'autres hôpitaux, dans d'autres pays, parce qu'il y en a plein partout maintenant. Merci, vous donnez tout votre talent avec cœur pour illuminer l'enfant, illuminer tout ce qu'il porte en lui de trésor. Merci d'être là, merci d'être là au cœur de la souffrance avec votre art si poétique et si émouvant du clown. Merci à Barbara, qui avec sa baguette magique coordonne cette fameuse bande chaotique. Et ça, je peux vous dire qu'elle en a. Elle est là. Merci à Barbara. Merci à tous ceux, comme le disait Philippe, merci à tous ceux qui permettent à ce que cette aventure se poursuive, qui nous soutiennent depuis des années. Je ne vais pas tous pouvoir les citer ici parce que vraiment, ce serait un long moment à passer ensemble, à vous dire tous les gens qui nous soutiennent. Mais vraiment, sentez-vous tous remerciés profondément du fond du cœur. Vous le savez, hein, le petit prince a dit, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Alors, aussi, en pensée, avec tous ces enfants qui sont quelque part, je ne sais pas où, on va chanter. Joyeux anniversaire, avec nous. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. On va tous souffler ensemble, enfin surtout vous. Un, deux, trois. Pas mal, mais vous pouvez faire mieux. Un, deux, trois. Oui, dans le fond, là. Allez, on y va. Un, deux, trois. Ouais.